Alléluia. This morning we are going to share together with a message. Ce matin, nous allons partager ensemble un message. But what Jesus expects of the church. De ce que Jésus s'attend de l'église. What Jesus expects of me and you. Ce que Jésus attend de vous et moi. Why did Jesus save us? Pourquoi est-ce que Jésus nous a sauvés? And did not take us to heaven. Et qu'il ne nous a pas emmenés directement au ciel. But he left us here. Mais il nous a laissés ici. With a mission. En mission. With a purpose. Avec un objectif. And he wants us to achieve it. Et il veut que nous puissions l'accomplir. Alléluia. Alléluia. The purpose of Christ for us. Le but de Christ pour nous. As a church. En tant qu'église. We realize nous réalisons that Jesus que Jésus came to establish the kingdom of heaven. Est venu établir le royaume des cieux. That's what he came to do. C'est ce qu'il est venu faire. And then two, et numéro 2, he wants the will of God. Il veut que la volonté de Dieu for us, pour nous, as is established in heaven, comme elle est établie dans les cieux, be established in the earth, soit établie aussi sur terre. No matter what we go through, peu importe ce que nous allons traverser, no matter the circumstances around us, peu importe les circonstances autour de nous, the will of God for us, la volonté de Dieu pour nous, as it is in heaven, comme elle est dans les cieux, must be established on this earth, doit être établie sur terre. Alléluia. Alléluia. And for it to be, et pour qu'elle soit, it is our responsibility. Établie sur terre, tout dépend de notre responsabilité. Because Jesus is not here. Parce que Jésus n'est pas ici. Jesus came. Jésus est venu. Jesus lived. Jésus est venu, a vécu. Jesus died. Jésus est mort. Jesus was buried. Jésus a été enterré. Jesus resurrected from the dead. Jésus s'est ressuscité de la mort. And Jesus ascended into heaven. Et Jésus est monté au ciel. And before he ascended, et avant d'être monté, he gave all authority. Il nous a donné toute autorité. To us. Il nous a donné and toute autorité. And he gave us his name. Et il nous a donné son nom. To live by. Pour vivre par celui-là. And he sent us forth. Et il nous a envoyé with a message, avec un message, with a mission, avec une mission to witness for him. Pour aller rendre témoignage de lui. Hallelujah. So we are all witnesses of our Lord Jesus. Et donc nous sommes tous témoins de notre Seigneur Jésus. Hallelujah. Say, I am a witness. Dis, je suis un témoin. Je suis un témoin. I am a soul winner. Je suis un gagneur d'âme. The will of God. La volonté de Dieu. The prime will of God. La volonté principale de Dieu. For your life. Pour votre vie. And for my life. Et pour ma vie. Is to be a soul winner. C'est d'être gagneur d'âme. This must enter into your spirit today. À partir d'aujourd'hui, ça doit entrer dans votre esprit. Praise the Lord. Gloire à Dieu. C'est le principal objectif. Dit l'objectif principal. Why Jesus saved me? Pour lequel Jésus m'a sauvé. And left me on this earth. Et m'a laissé sur terre. It's for me to also win others. C'est de que moi je puisse gagner des âmes. And bring them into the kingdom. Et que je puisse les ramener dans le royaume. What is the kingdom of heaven? Qu'est-ce que le royaume des cieux? The kingdom of heaven. Le royaume des cieux is the kingdom of God. C'est le royaume de Dieu that Jesus established on this earth. Que Jésus a établi sur terre. That is the kingdom of heaven. Et voici le royaume des cieux. And everybody who gives his life. Et toute personne qui donne sa vie to Jesus. À Jésus. Every born again. Tout né de nouveau. You are transported from the kingdom of darkness. Tu es déplacé du royaume des ténèbres into the kingdom of heaven. Dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. So Jesus said. Et donc Jésus a dit. You are in this world. Vous êtes dans ce monde. But you are not of this world. Mais vous ne faites pas partie de ce monde.
So even though we live in this world, et donc même si nous vivons dans ce monde, this world of darkness, ce monde de ténèbres, this world of wickedness, ce monde de méchanceté, we are not part of this world. Nous ne sommes pas de ce monde, nous ne faisons pas partie de ce monde. We live in a different world, nous vivons dans un monde différent, which is called the kingdom of heaven, qui est appelé le royaume des cieux, on this earth, sur terre. That is why there's warfare. Et c'est pourquoi il y a la guerre. That's why there's a spiritual warfare. C'est pourquoi il y a une bataille spirituelle. The spiritual warfare, la bataille spirituelle, it's not because we are afraid of the devil. Ce n'est pas parce que nous avons peur du diable. Because Jesus has already won the victory parce for us. Que Jésus a déjà vaincu pour nous. Hallelujah. Jesus has already won. Jésus a déjà vaincu. He defeated the devil. Il a vaincu le diable. And he gave us authority. Et il nous a donné l'autorité. The spiritual warfare that we are engaged in, la bataille spirituelle dans laquelle nous sommes engagés, is for souls. C'est pour gagner des âmes. Tell your neighbor it's for souls. Dis à ton voisin et ta voisine, c'est pour gagner des âmes. Because the devil has captured a number of people. Parce que le diable a capturé un nombre de personnes. He has confused their mind. Il a confus leurs pensées. The Bible says, la Bible dit, that is the God of this world, qu'il est le Dieu de ce monde, who has blinded the eyes, qui a aveuglé la vue, so that the people of this world will not receive the glorious gospel, pour que les gens de ce monde ne puissent pas recevoir l'évangile glorieux, that they may be lost, pour qu'ils soient perdus, that they may go to hell, pour qu'ils puissent aller en enfer. But it is our mission, mais c'est notre mission to save these souls, pour sauver ces âmes. That is the reason why we are here. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. That is why there's a warfare. C'est la raison pour laquelle il y a une bataille. So the devil doesn't want us to save souls. Et donc le diable ne veut pas que nous puissions sauver des âmes. He wants to get so many people lost. Il veut perdre beaucoup de personnes. So he has to fight us. Et donc il doit nous combattre. Because we are bringing the gospel to the untold. Parce que nous allons amener l'évangile à ceux qui sont perdus. And we are opening their eyes. Et nous allons leur ouvrir la vue. And we are bringing them into the kingdom. Et ensuite nous allons les ramener dans le royaume. And he's losing members. Et en faisant cela, et lui il sera en train de perdre des membres. So what will he do? Et donc qu'est-ce qu'il fera? He will fight back. Il va combattre en retour. Hallelujah. He will fight back. Il va combattre en retour. And to fight back, et pour combattre en retour, he will fight the strength behind the soul win. Il va combattre la force derrière les gagneurs, les gagneurs d'âmes. If the devil can frustrate you, si le diable peut vous frustrer, if he can disturb your business, s'il peut perturber vos entreprises, if he can disturb your family, s'il peut perturber votre famille, you will not have time, vous n'aurez plus le temps to do the things of God, pour faire les choses de Dieu. That is the warfare. Et voici la bataille dans laquelle nous sommes engagés. Because if he can disturb you, parce que s'il peut vous perturber, if he can stop you, s'il peut vous arrêter, you will have time, vous n'aurez plus le temps to do the work for which God, or for which Jesus saved you to pour do. Faire l'œuvre pour laquelle Jésus vous a sauvé. When he gives you more work, quand il vous donne plus de travail, if he puts more burden on you, s'il met plus de fardeau sur vous, you will stop the work that God has given you to do. Vous allez même oublier l'œuvre, le travail que Dieu vous a donné à faire. Praise the Lord. Gloire à Dieu. That is why, c'est pourquoi you must stand and pray always. Vous devez vous tenir ferme et prier sans cesse. That's why you must pray. C'est pourquoi vous devez prier. So that spiritually, pour que spirituellement, you always be at the top. Vous puissiez toujours être au sommet. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So the warfare, et donc la bataille, is for souls. Est au sujet des âmes. And we are called to win souls. Et parce que nous sommes appelés pour gagner des âmes. That is the purpose for which Jesus left us here. C'est le but pour lequel Jésus nous a laissé ici. Everybody is a soul winner. Toute personne est un gagneur d'âme. Say, I'm a soul winner. Dis, je suis un gagneur d'âme. Revelation 5, verse 10. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Jesus, Jésus, has made all of us priests, a fait de nous des sacrificateurs, and kings, et des rois, to God, pour Dieu, and we reign, et nous régnons in this earth, sur terre. Say, I am born to reign. Dis, je suis né pour régner. Je suis né pour régner. You are born to reign. Tu es né pour régner.
Kings reign. Les rois règnent. In the realms of the spirit. Dans le règne de l'esprit. There's no male nor female. Il y a pas de mâle et de femelle. Alléluia. Say I'm a king. Dis je suis un roi. Je suis un roi. I'm a priest. Je suis un sacrificateur. So Jesus has made you a king. If et donc, you don't know, Jésus a fait de vous un roi. Why is Jesus called the King of Kings? Pourquoi est-ce que Jésus est appelé roi des rois? Why? Pourquoi? It's because you are a king. C'est parce que vous êtes un roi. We are all kings. Nous sommes tous des rois. And Jesus is the King of Kings. Et Jésus est le roi des rois. Hallelujah. Say I am a king. Dis je suis un roi. And Jesus is the King of Kings. Et Jésus est le roi des rois. Jésus a dit que vous êtes un sacerdoce royal. Praise the Lord. Gloire à Dieu. A royal priesthood is a king and a priest. Un sacerdoce royal, c'est quelqu'un qui est à la fois sacrificateur et roi. Why are we priests? Pourquoi est-ce que nous sommes sacrificateurs? Who is a priest? Qui est un sacrificateur? A priest. Un sacrificateur? Is one in the Old Testament. C'est un dans l'Ancien Testament. It's only the priest. C'est seulement le sacrificateur. Who stands between the people and God. Qui peut se tenir et qui se tient entre le peuple et Dieu. Nobody could go to God. Personne ne pouvait aller vers Dieu. So we had the priesthood. Et donc on avait le sacrificateur. The Levites. Le Lévite. They were the only people who could go before God for the rest of the people. Parce que c'était les seules personnes qui pouvaient aller devant Dieu pour le peuple. To pray. Pour prier. To make sacrifices. Pour faire des sacrifices. And the Bible says. Et la Bible dit. Now in the Old Testament. Que dans l'Ancien Testament. Once a year. Une fois par an. The high priest. Le sacrificateur, le haut sacrificateur. Goes into the holy of holies. Il partait dans le lieu très très saint. To make a sacrifice. Pour faire un sacrifice. To atone for their sins. Pour demander pardon pour tous leurs péchés. Once a year. Une fois par an. The presence of God was only in the holy of holies. La présence de Dieu était seulement dans le saint des saints. And it's only the priest that can go there. Et c'était seulement le sacrificateur qui pouvait y entrer. So nobody went before God. Et donc personne ne pouvait aller devant Dieu. Only the priest. C'était seulement le sacrificateur. Only the priest. Seulement le sacrificateur. But in the New Testament. Mais dans le Nouveau Testament. Thanks to our Lord Jesus Christ. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu. Thanks to our Lord Jesus. Merci pour notre Seigneur Jésus-Christ. Thanks to our Lord Jesus. Merci pour notre Seigneur Jésus-Christ. You are a priest. Vous êtes un sacrificateur. I'm a priest. Je suis un sacrificateur. We are all priests. Nous sommes tous sacrificateurs. So we can all go before God. Donc nous pouvons tous aller devant Dieu. It's a privilege. C'est un privilège. Give the Lord a big clap of praise. Donnez une offrande d'acclamation au Seigneur. It's a privilege. C'est un privilège. So today, et donc aujourd'hui, you can stand, vous pouvez vous tenir, and intercede, et intercéder, for the unbelievers, pour les païens. You can go before God, vous pouvez aller devant Dieu, for the unbelievers, pour ceux qui ne croient pas. Unbelievers, ceux qui ne croient pas, cannot come before God, ne peuvent pas s'approcher, ne peuvent pas venir devant Dieu. Non, non. But you, mais vous, born again Christian, chrétien né de nouveau. You have been made a priest. Vous avez été rendu sacrificateur. And you can come before God. Et vous pouvez vous approcher, vous pouvez venir devant Dieu. Read this, 1, 2, 3. Lisons 1, 2, go. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Praise the Lord. Gloire à Dieu. You can come boldly before God. Vous pouvez vous approcher avec assurance devant Dieu. We are not limited. Nous ne sommes pas limités. We can come to God. Nous pouvons nous approcher de Dieu. We can come before the throne. Nous pouvons nous approcher devant le trône. We can intercede for those in the world. Nous pouvons intercéder pour ceux qui vivent dans le monde. We don't need a priest to intercede for us. On n'a pas besoin qu'un autre sacrificateur vienne intercéder pour nous. Because you are a priest. Parce que tu es un sacrificateur. So it says, come boldly before the throne. Et il a dit, approchons-nous avec assurance devant le trône. Obtain mercy, pour obtenir la miséricorde, and to find grace, et pour trouver la grâce, in terms of your need, dans nos besoins. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So the New Testament Christian, et donc le chrétien du Nouveau Testament, has a relationship with God, a une relation personnelle avec Dieu.
can come to God. Il peut s'approcher de Dieu. You can bring your request before God. Tu peux emmener tes demandes devant Dieu. You can come boldly. Tu peux venir avec assurance. Because you are coming in the name of Jesus. Parce que tu viendras au nom de Jésus. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So we are privileged. Et donc nous sommes privilégiés. To be kings. D'être roi. And to be priests. Et d'être sacrificateur. To our God. Pour notre Seigneur. So a New Testament Christian. Et donc le chrétien du Nouveau Testament. We don't intercede for other Christians. Il n'intercède pas pour d'autres chrétiens. We make supplication. On fait des supplications. We come before God. On vient devant Dieu. To plead for them. Pour plaider leur cas. But as priests, mais en tant que sacrificateurs, we intercede for the world, nous intercédons pour le monde, the lost souls, les âmes perdues. That is our work. Voici notre travail. We have to intercede. Nous devons intercéder. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So I said, Jesus, et donc, comme j'ai dit, Jésus left us here, nous a laissé ici with a job, avec un travail à faire. And our job, et notre travail, our principal job, notre travail principal, is so winning. C'est de gagner des âmes. So winning. C'est de gagner des âmes. Say, I'm a soul winner. Dis, je suis un gagneur d'âmes. 5. Lisons 2 Corinthiens, verset 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Amen. When you are born again, lorsque tu nais de nouveau, the Bible says, la Bible dit that we are reconciled, que nous sommes réconciliés to God, à Dieu, through Christ Jesus, par Christ Jésus. We were before that separated. Avant cela, nous étions séparés. But because we were born again, mais parce que nous sommes nés de nouveau, by the blood of Jesus, par le sang de Jésus, we are reconciled. Nous sommes réconciliés. So we come to our original position. Et donc nous occupons maintenant notre position originelle in Christ. En Christ. And then we are given a ministry. Et ensuite, il nous a été donné un ministère. So every one of us has a ministry. Et donc chacun d'entre nous a un ministère. As long as you are in the church, aussi longtemps que nous sommes dans l'église, as long as you are the body of Christ, aussi longtemps que nous sommes dans le corps de Christ, you have a ministry. Nous avons un ministère. And your ministry, et votre ministère, is called envers the Dieu, ministry of reconciliation. C'est le ministère de la réconciliation. Say, I have a ministry. Dis, j'ai un ministère. And my ministry, et mon ministère, it's called the ministry of reconciliation. Est appelé le ministère de la réconciliation. So everybody in the church has a ministry. Et donc toute personne dans l'église a un ministère. You are not just come to sit down and listen. Vous n'êtes pas venu juste pour vous asseoir et écouter. There's a purpose for your coming to listen. Il y a un but derrière votre venue pour écouter. Is to be informed. C'est d'être informé. Is to be built up. C'est d'être bâti. Is to be developed. C'est d'être développé. So that you can be able to do your ministry. Pour que vous puissiez être capable de faire votre ministère de réconciliation. So you have a ministry. Et donc vous avez un ministère. It's not only the pastor who has a ministry. Ce n'est pas seulement le pasteur qui a un ministère. You also have a ministry. Vous aussi vous avez un ministère. If you don't know, si vous ne le savez pas, from today, à partir d'aujourd'hui, you must be aware, vous devez être au courant, that you have a ministry, que vous avez un ministère. Say, I am a minister of reconciliation. Dis, je suis un ministre de réconciliation. Say, I am a member of the government of our Lord Jesus Christ. Dis, je suis un membre du gouvernement de notre Seigneur Jésus Christ. I'm not an ordinary person. Je suis pas une personne ordinaire. I am a minister. Je suis un ministre. And I'm in the ministry of reconciliation. Et je suis dans le ministère de réconciliation. Quelqu'un travaille dans le ministère des emplois, ministère des travaux publics. Mais toi, ton ministère, c'est le ministère de. C'est le ministère de. So you are a minister. Et donc vous êtes un ministre. And so you have a job to do. Et donc vous avez un travail à faire.
You have a job. Vous avez un travail. It's not only to come and sit in the church. Ce n'est pas seulement de venir s'asseoir à l'église. No. Non. Jesus has recognized you. Jésus vous a reconnu. And he has given you a job. Et il vous a donné un travail. And the job is a ministry of reconciliation. Et ce travail-là, c'est d'être le ministère, c'est d'être le ministre de la réconciliation. What does a minister of reconciliation do? Qu'est-ce que le ministre de la réconciliation fait? The minister of reconciliation. Le ministre de la réconciliation is to bring people in the kingdom of darkness into the kingdom of his marvelous light. Est supposé emmener, ramener toutes les personnes dans le royaume ténébreux, dans le royaume de l'obscurité, de les ramener dans le royaume de la lumière. It means, ça veut dire, you must bring people who don't know Christ. Vous devez emmener les personnes qui ne connaissent pas Christ. People who have not given their life to Jesus. Les personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. It's your job. C'est votre travail. It's my job. C'est mon travail. As a minister of reconciliation. En tant que ministre de réconciliation. To bring them into the church. De les emmener dans l'église. This is our ministry. Voici notre ministère. So every Sunday, et donc tout dimanche, tous les dimanches, you have to come with a soul. Vous devez venir avec une âme. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Dis Amen. Jesus is seated in heaven. Jésus est assis dans les cieux. And he's looking out to this earth. Et il regarde sur terre. And he's looking out to see whether we are doing the work that he has given us. Et il regarde pour voir si nous faisons le travail qu'il nous a confié. It's good to come and dance in church. C'est bon de venir danser à l'église. But Jesus wants you to do more than that. Mais Jésus veut que vous puissiez faire plus que ça. He wants you to win souls. Il veut que vous puissiez gagner des âmes. From today, à partir d'aujourd'hui, every Sunday, tous les dimanches, at least, au moins, come with one soul. Venez avec une âme. Dis Amen. Amen. Come with one soul. Viens avec une âme. C'est pourquoi il vous a donné le Saint-Esprit. The first objective, le premier objectif, is to win soul. C'est de gagner des âmes. Let's go to Acts 1:8. Allons dans Acte 1:8. Knowing the purpose for which you are here. Vous devez savoir le but pour lequel nous sommes ici. The purpose for which Jesus saved us. Le but pour lequel Jésus nous a sauvés. When you know this, quand vous savez ce but, all other things shall be added. Toutes les autres choses seront ajoutées. Can you read it? 1, 2, 3. Est-ce que nous pouvons lire 1, 2, lisons. Hallelujah. Say you receive power. Dit vous recevez, il est écrit vous recevrez une puissance. Well, after that the Holy Ghost is come upon you. Après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. And when you receive that power. Et après avoir reçu cette puissance. When you were born again. Lorsque vous êtes né de nouveau. The Holy Ghost came to fill you. Le Saint-Esprit vient vous remplir. And when you receive that power. Et quand vous recevez cette puissance. The objective. L'objectif. The first objective. Le premier objectif. Is to witness. C'est d'être témoin. Praise the Lord. Gloire à Dieu. It says, you receive power. Il dit vous recevrez une puissance. After that, the Holy Ghost has come upon you. Le Saint-Esprit survenant sur vous. And after that, et après cela, you will be my witness. Vous serez mes témoins. You have boldness. Vous aurez l'assurance. You have the power. Vous aurez cette puissance. You have that authority. Vous aurez cette autorité. To go. Pour aller and preach, et prêcher and talk to people, et parler aux gens and be witness, et d'être témoin about me. De ce que moi, Jésus, j'ai fait. That is the first thing. C'est le premier objectif. That's the first thing. C'est le premier objectif. Why Jesus gave you the Holy Ghost? Pourquoi est-ce que Jésus, c'est l'objectif pour lequel Jésus vous a donné le Saint-Esprit? That you may go and witness. Pour que vous puissiez aller témoigner. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Say from today. Dis à partir d'aujourd'hui. I will do my job. Je ferai mon travail. I will be a witness to Jesus Christ. Je serai un témoin de Jésus Christ. I will win souls. Je gagnerai des âmes. And you see, Jesus taught us how to do it. Et voyez-vous, Jésus nous enseigne comment faire. He says, "You will be my witnesses in Jerusalem." Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Jérusalem. À Jérusalem. Your immediate environment. Dans votre environnement immédiat. You must talk about Jesus, witness of Jesus. Vous devez parler, vous devez être un témoin de Jésus. To your family. Dans votre famille. To your family.
dans votre famille, your brothers and sisters, dans vos frères et sœurs, envers vos frères et sœurs. How can you be in heaven? Comment est-ce que vous pouvez être au ciel? And then your brothers and sisters will be in hell. Et vos frères et sœurs seront en enfer. Where is the love? Quel genre d'amour est-ce? Where is the love? Quel genre d'amour est-ce? Where is the love? Quel genre d'amour est-ce? Maybe you are saying when I talk to them they don't listen. Peut-être que vous pouvez dire quand je leur parle ils n'écoutent pas. That's why you are witness. C'est pourquoi vous êtes témoin. That's why you are filled with the Holy Ghost. C'est pourquoi vous êtes rempli du Saint-Esprit. You must not give up. Vous ne devez pas abandonner. Your love for your brothers and sisters, don't give up. Votre amour pour vos frères et sœurs ne doit pas abandonner. You must be on them. Vous devez être sur eux. Until they give their life. Jusqu'à ce qu'ils donnent leur vie à Jésus. Because there's joy in heaven. Parce qu'il y a la joie dans les cieux. When one soul, lorsqu'une âme gives his life to Jesus, donne sa vie à Jésus. All that we do on this earth, tout ce que nous faisons sur terre, is fine. C'est bon. But the most important thing to them that are in heaven, mais la chose la plus importante pour les amener au ciel, is that c'est que they give their life, ils puissent donner leur vie to Jesus, à Jésus. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. You see, so you must first of all try to win your family. Voyez-vous, vous devez avant tout essayer de gagner votre famille. Win them. Gagnez-les. Show love to them. Montrez-leur l'amour. Even if they are very stubborn, même s'ils sont très têtus, be on them. Soyez toujours sur eux. Until they give their life. Jusqu'à ce qu'ils donnent leur vie à Jésus. Praise the Lord. Gloire à Dieu. When you are in school, quand vous êtes à l'école, talk to your students, fellow students. Parlez à vos condisciples about Jesus. De Jésus. Talk to them about Jesus. Parlez-leur de Jésus. Hallelujah. Share the word of God with them. Partagez la parole de Dieu avec eux. Win souls. Gagnez des âmes. At your free time, dans votre temps libre, talk about Jesus. Parlez de Jésus. In your workplace, dans votre lieu de travail, talk about Jesus. Parlez de Jésus. Even if you are, you have a business, même si vous avez une affaire, and you are employing people, et que vous employez des gens, talk to them about Jesus. Parlez-leur de Jésus. When you speak to them about Jesus, quand vous leur parlez de Jésus, your enterprise will go forward. Votre entreprise avancera. When their lives change, lorsque leur vie changera, they will not think about bringing your enterprise down. Ils ne vont plus penser à faire écrouler votre entreprise. If they want to steal, si c'était lui-là qui volait, si c'était ceux-là qui volaient, ils vont changer. Ils changeront. They will know that they must move the enterprise forward. Ils sauront qu'ils doivent faire avancer l'entreprise. Because as the business goes forward, parce que aussi longtemps que l'entreprise avancera, they must also be blessed. Eux aussi seront bénis. And it's only when they have Jesus, et c'est seulement lorsqu'ils ont Jésus, that they will behave like this. Qu'ils se comporteront de cette manière. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So it says, be witness in Jerusalem. Donc il a dit, soyez mes témoins à Jérusalem. In your workplace, dans votre lieu de travail, when you are in a bus, lorsque vous êtes dans le bus, when you are in the plane, lorsque vous êtes dans l'avion, when you visit people, lorsque vous rendez visite aux when gens, you are with your friends, lorsque vous êtes avec vos amis, when we are within your external family, même lorsque vous êtes avec votre famille élargie, talk to them about Jesus. Parlez-leur de Jésus. You are a minister of reconciliation. Parce que vous êtes un ministre de réconciliation. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au plus 225 40 15 89 32 04 42 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.